enough, enough. C'est Bolide, comment est YouTube? Pas que ça, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, petite vidéo, le trap du Ama Limitless V2. Donc, on a déjà terminé la peinture. On a mis bien. Je vais vous détailler ce que j'ai fait à l'intérieur. Principalement l'électronique. Hein, parce que tout ce qui dit diff, amortisseur et ratio d'origine, voilà, on n'a rien touché. Bon, il a même encore roulé, voilà. Donc aujourd'hui, petite vidéo, les nouveaux moteurs que j'ai décidé de prendre pour la Ama Limitless V2, c'est le Spectrum CMA en 1250 kV, brushless 46 85, c'est-à-dire le diamètre du 46 en longueur du 85, voilà, il pèse plus de 732 grammes, la longueur du rotor, c'est-à-dire le shaft, c'est-à-dire où on met le pignon, est de 22 mm, c'est un shaft en diamètre de 5 mm, spécialement collé un sixième, ça c'est un septième, donc un sixième c'est bon. Mettre aussi dans un huitième, mais c'est pas le but. Voilà, voltage de 3 à vitesse, rotation CCW normal dans le sens de rotation du mont. Pour les connectiques, c'est du 5,5, excellent pour le Mark 5. Et les connectiques sont en 6,5, 6,5, nombre de pôles 4 et 190 mm wireline, ça me plaît pas trop ce que je veux dire, hein. Sûrement la grandeur du rotor. Ah non, ouais, c'est pour les fils. Les fils font 19 cm, 190 mm pour les fils, pour les connectiques. Voilà, bah oui, différents moteurs là, voilà, ici vous avez le Obi-Wing. Obi-Wing en 1650 kV, hein. 49,85, lui fait 49 par rapport aux ailettes, et à la base c'est du 46, pareil que celui-là, voilà, 1850 kV. C'est ça les wheelings là, pour les fils. Voilà, lui ici fait du 6,5, voilà, bon, ça c'est, il est sur le Mojave, ce moteur. Voilà. Celui-ci est sur le Mojave, je vais le monter pour faire une petite comparaison, et vous avez le fameux TP Power 4070 2200 kV, 4070 qui fait 40 cm de diamètre et un peu plus de 107 mm, pardon. Voilà, voilà. Et pourquoi j'ai pris ce moteur, pourquoi pas avoir mis ce moteur, pourquoi pas avoir mis ce moteur. Ce moteur prend que 6S, vous pouvez faire tourner en 8S, mais vous allez le brûler. Il faut laisser en 6S et il est limité, ce moteur limité, voilà, voilà. Vous mettez des petits rapports, c'est bon, et dès que vous commencez à mettre des gros rapports, ça va chauffer, risque de brûler, voilà, mal fonctionner, voilà. Vous aurez des coupures sur le vario, vous allez tuer plus sur le vario, voilà. Bon, j'ai fait déjà des tests avec, hein. Je sais ce que je dis, je sais ce que je parle en connaissance de cause. Bon, concernant ce moteur TP Power, il est excellent
ampoule à ma limitless. Voilà, c'est du 2200 kV. Mais ce moteur consomme beaucoup, beaucoup d'ampères. Voilà. Il avoisine plus des 260, voire les 280 ampères. Donc c'est énorme, énorme, énorme. Il va fonctionner avec le Mark 5. Mais pour pouvoir vraiment profiter de ce moteur, il faudrait lui mettre le Castle XLX2. Voilà. Mais le XLX2, j'ai plus confiance en Obi-Wan parce que je sais que j'ai mis de l'argent dans le Obi-Wan. Avant d'aller brûler un Obi-Wan, il faut vraiment y aller, à part que c'est un défaut de fabrication. Hein. Et comme j'ai vu beaucoup de mecs qui font du speedrun, ils utilisent le XL2. À la mienne, je vais utiliser, mais j'attends qu'ils sortent une nouvelle petite version pour pouvoir corriger les erreurs du XL2, parce que la moindre manipulation, le XL2, il crame. Voilà, il crame et ça fait chaud de balancer 300€ comme ça. Juste pour aller droit, quoi. Vous voyez, moi j'ai plus confiance en un Mark 5. Bon, c'est vrai que je vais pas atteindre des vitesses extraordinaires avec ça, mais comme je le dis, ici on est à l'île de la Réunion et les lignes droites il y en a pas trop, et les chemins très très plats, c'est à dire comme sur un billard, il y en a pas, à part qu'il y a l'aéroport, mais l'aéroport c'est interdiction, hein, la piste d'avion. Que même la piste d'avion est un peu bossée, je pense, parce que celui-ci à 200 220, parce que ce moteur là vous pouvez facilement aller à 250 km/h. Ah oui, facile, avec les bonnes batteries, le bon ratio 250, et voilà, déjà 190 déjà fait les frais, pas avec ça mais avec le bas OVT. Si vous suivez ma chaîne, à 190 elle prend une petite crevasse, elle prend un petit caillou sur la route et bye bye, il n'y a plus de VT, il n'y a plus rien. Voilà, une explosion de roues. Voilà, ça pardonne pas. C'est ça le speedrun. Voilà, ça, tu t'investis, tu dépenses de l'argent que pour aller droit. Donc, moi j'ai fait le pour le compte. Je vais le mettre, peut-être ce moteur. Il faudrait déjà que je m'adapte bien à cette voiture, parce qu'il y a encore beaucoup de grades à faire, surtout au niveau des amortisseurs. Voilà, il faut au niveau des ressorts, les ressorts d'origine sont pas bons, ils sont bons à partir de 150 160 km/h, 170, mais dès que vous passez les 200, ça fait rebond, ça rebondit et ça catapulte la VT, ça catapulte la limitless. Vous voyez, beaucoup font des 360, font des envolées à plus de 200, 220, 230 par rapport au ressort. Moi, comme j'ai dit, j'ai pas envie de bousiller la limitless. Voilà, vous roulez des comptes. Voilà, parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Voilà, ça c'est la passion. Voilà, mais ça vaut rien si là, comme c'est neuf, là, tu fais un aller, un retour et t'as plus de voiture. Et là, tu crames tout. Tu crames le moteur, tu crames le radio, tu fais exploser les batteries. Aller tout droit, c'est un peu ballot, vous voyez. Donc voilà, on va revenir au moteur. Le Spectrum 1250 kV, bon, on va l'ouvrir. Au visu là,
Ça fait. Voilà, c'était ça que je cherchais. C'était des ils sont un peu plus de 19 cm, 190 mm. Voilà. Bon, on peut tourner déjà le rotor. Le shaft, comme ils disent là ici, le shaft linge. Le shaft linge, c'est ça, grandeur l'arbre. Ici, là, ça fait 22 mm. Voilà, il fait 45. Non, il fait 85 long, 46 en diamètre. Voilà, c'est le même. Le même, je vais lui mettre 49 par rapport aux élèves. Vous voyez, les fils sont un peu plus grands. Voilà. Mais au niveau de taille, c'est la même chose. Allez. Mais l'avantage, celui-là, vous pouvez prendre que 6S. Quand celui-là, vous pouvez mettre 8S. Si c'est 1650 kV, on a 400 kV de moins. Donc voilà. Il va consommer moins. Il aura un petit peu plus de coupe. Logiquement. Ok. Bon, ici, on a déjà le certificat à main, là, les petits clips. Pour pas que le pignon se barre. Voilà. Bon, pourquoi je choisis ce moteur? Voilà, déjà parce que si je veux rouler un peu, voilà, ça c'est le 8 avec les tepopoyeurs, mais maintenant on peut avoir les tepopoyeurs fermés, cage fermée, hein, c'est les comme ils disent. Voilà, parce que quand vous avez de poussière qui rentre dedans, parce que la poussière va rentrer dedans, elle va passer à l'avant. À l'arrière pourra pas passer par rapport, il a été éjecté à l'arrière, et quand des petites particules de poussière va rentrer devant, ils vont aller laminer tout le tour du rotor. Ça fait qu'à chaque fois, à chaque run que vous faites, il faudrait dévisser, remonter, dévisser, et là vous allez foirer tous les à force de démonter, dévisser, démonter, vous mettre du frein filet, démonter, voilà. Ça c'est fait pour des bateaux en fait. Voyez, là ce style de moteur là que j'ai pris en version ventilée, c'est fait pour les bateaux. Voilà. Donc on peut pas. On peut le mettre dans les voitures, mais voilà, il faudrait démonter parce que j'ai déjà pété beaucoup de TP Power à cage ventilée comme ça. Parce que les petites particules de poussière, ils sont fins, hein, ils sont très fins. Ils viennent s'agglutiner autour du rotor. Même entrer un peu en contact avec le stator, et comme ça tourne très vite, très vite, ça fait que ça vient laminer le kevlar, ou sinon c'est pas en kevlar, c'est en toile pour les rotors, voilà, vous voyez, pour les rotors, ça vient laminer, ça vient couper, et après à force tant que ça coupe autour, ça coupe le film, là, ben après vous avez le rotor qui explose, voilà. J'en ai fait beaucoup de frais avec ça. Voilà. Bon, ce moteur est beaucoup plus puissant en nombre de watts que celui-là. Okay. Celui-là fait près de 8000 watts, je crois. Voilà, 8000 watts. Donc ça fait beaucoup de chevaux. En termes de grandeur. Allez, il n'y a pas photo et c'est beaucoup plus long. Voilà. Et en grosseur, non. 646.40. Mais la consommation est beaucoup, beaucoup moins. Ah, un peu plus lourd que celui-là. Beaucoup plus lourd. Là j'ai pris ça par rapport aux entrées de poussière. Celui-là je vais le mettre si je veux vraiment faire une vraie pointe à atteindre les 250. Mais avec ça je pourrais atteindre les 200 avec ça. Voilà, 200 facile, tranquille. Plus je pense pas, peut-être un 210. Allez, pousser à l'extrême 220 avec un bon refroidissement dessus. Voilà. Donc celui-là c'est assuré 250 avec la bonne. Les bonnes batteries et le bon variateur, voilà. Mais plus le Maxence peut le pousser, voilà, facile, voilà, facile. Mais ce moteur là, il a la linéarité, c'est à dire ici je pense que la linéarité, c'est il est plus souple que celui-là. Dès que vous appuyez comme ça,
Vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. Il vous balance tout ça tout de suite. Vous voyez. Un coup comme ça. Celui-là, je pense qu'il est plus linéaire. Voilà. Voilà, il sera plus linéaire, c'est-à-dire vous accélérez progressivement. Et là, dès que vous arrivez comme ça, tiens, vous avez rien, vous avez rien, vous avez rien. Et dès que vous êtes à moitié là, il envoie toute la puissance. Des fois, c'est suffisant pour faire cabrer le truc. Voilà, avoir une bonne linéarité. Voilà. Je sais ce que je dis parce que j'ai déjà fait les frais. Hein, voilà. Bon, on va regarder un peu les specs. Il y a des specs, nombre de watts, nombre de. Pas plus que ça, ils montrent des schémas pour brancher A, B, C. Ils mettent pas le nombre d'ampères, le nombre de consommation d'ampères du bidule. Ah si, voilà, courant continu maximal 68 ampères, voilà. En sortie, il est à 6300 watts. Donc il est plus puissant que celui-là. Que le Obi-Wan. Celui-là fait 5100. Et celle-là, c'est la bête. Hein. 8000 watts. Voilà. Pas photo. Après, ça dépend de l'utilisation que vous voulez faire. Okay. Voilà. Après, ils disent recommander le variateur Spectrum. Ben, ça, c'est pour faire vendre. Okay. Et le Mark 5 sera top, je pense. Voilà. Voilà, 68 ampères. En courant continu. Maximal. Un rendement de 85%. Voilà, ça c'est. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Bon, le mieux c'est avoir à peine du 93%. Voilà, mais là on va avoisiner les moteurs qui valent beaucoup, hein, en termes d'euros. Voilà. Bon, on va ranger ça. Voilà. On va mettre une autre ici. Là, ici. Voilà. Allez. Ah. Vous voyez, hein. Ah. J'ai mis un cerveau haut de voltage qui prend du 8.4 comme le Mark 5. Ah, connectique. C'était 90 sorti. Et c'est 5 pour certaines batteries que j'ai. Voilà. Ça fait tout l'agencement, tranquillou, simple. Ah, ça c'est le chariot moteur. Voilà, le chariot moteur qu'on va monter. Concernant le chariot moteur, Arma Limitless. Arma fait un upgrade pour la Limitless avec un nouveau chariot qui pourrait prendre des moteurs en 56. Voilà. Ceux qui à l'avenir qui vont venir après, je vais prendre celui-là, je vais lui mettre dans un ATAC. Celui-là dans une petite GT8 en vitesse. Voyez un peu. Ça doit être extraordinaire. Voilà. Donc bon. On va monter ça. Et ici, vous voyez. Encore toute cette marge. Voilà. Encore toute cette marge ici. Prendre lui. Et quand il a passé. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Comme ça, il ne rentrera pas parce qu'il va gêner le système de direction. Voilà. On le met comme ça. On le colle là. Voilà, ça c'est un grand moteur. Ça c'est le moteur pour les ultra vite. Voilà. 200, 220, 230, c'est suffisant pour moi. Voilà, moi je vais pas m'amuser à les
aller chatouiller les 300 parce que déjà il n'y a pas la place ici. Il n'y a pas assez de lignes droites. Voilà. Pas de ligne droite. Toutes les lignes droites, c'est la route. Donc, on va se contenter des 200-300 mètres. On va se contenter des accélérations. Voilà. Spectrum. Bon, allez. Parti. On va monter ça. Enough, enough. Enough, enough.
plus loin de mettre ça comme ça là, ici. Enough. Ah, parce que je revois. Investi dans une... Et comment? Et un ventilo. Non, ça ne touche pas. Bon, moi j'ai pas monté le frein filet et le moteur, j'ai bien bloqué parce que c'est des vis presque tout bloquantes, parce que si vous mettez trop de frein filet, vous avez du démontage, ça c'était très bien bloqué, vous aurez du mal à enlever tout ça. Bon, ces grosses sangles là, ça s'est fait en mat calculé pour mettre des batteries de dingue là-dedans. Là. Vous voyez? Ça, c'est des petites batteries. Simple de chez simple. Ok. C'est une batterie de 4S. Hein. Là, j'ai mis un pont. Là, j'ai mis un pont par rapport. Je vais pas mettre du 6S, je vais pas mettre du 4S. On va laisser une petite essai statique même pas là. Le cadran central. Voilà. Ici pour Marie. Ah, tranquille. Voilà. On va pas le rouler là, c'est juste.
Après, pas de problème. L'habitude, hein. On prend facilement besoin de petits papiers ou d'étalage. On le fait à l'œil et on le fait à l'écoute. Voilà, pas de clignement, rien. Ouais, les amis, le montage du Spectrum 1250 kV. Voilà, je vous dis à une prochaine. Pour le petit test, tranquillou, en 6F, peut-être en vitesse, mais plus en 6F. On va essayer d'aller à 130, 140, allez, peut-être 160, pas plus que ça. Donc, je l'ai dit, on a une grade de ressort à faire, à haute vitesse. C'est la cata, ça s'envole, c'est un monstre, c'est un bolide. Ça a bien sa prononciation, c'est un bolide. Voilà, les amis. Si vous avez aimé la petite vidéo, passez un petit pouce, vous pouvez commenter, et je vous dis à la prochaine. Bless les bolides, bless tout le monde suivant moi, allez, nous à tous.